En Ituri, l'armée lance l'opération baptisée Chasse au chacal en territoire des Djougou. Conséquence immédiate de cette opération, 7 localités ont été récupérées, dont Petro, l'un des bastions de la milice Codeco. Plus de 30 morts, c'est le bilan de l'incursion des ADF dans la nuit de vendredi à ce samedi à KCC, entité située à la frontière avec la République démocratique du Congo. La plupart des victimes sont les élèves. L'opposant Augustin Matata Ponyo interdit de voyager ce samedi. L'ancien premier ministre et candidat à la prochaine présidentielle devrait se rendre en Ituri. Merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision pour une nouvelle session d'information. Je vous l'annonçais au début de ce journal. En Ituri, l'armée lance l'opération chasse au chacal en territoire des Djougou et déclare avoir récupéré cette localité dans Petro, l'un des bastions de la milice Codeco. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de forces armées en Ituri, l'a dit ce samedi. On va l'écouter. Comme c'était annoncé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kachamadioni, depuis ce matin, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de lancer les opérations militaires contre les groupes armés Codeco, auteurs de massacres des non-populations en territoire de Djougou. Donc, pour cette première journée du lancement des opérations, les forces armées ont récupéré le village Petro. Vous savez que c'est l'un des bastions des groupes armés Codeco où tout se prépare, où tout se congite pour attaquer cette partie de la République. Ce matin, sous la conduite des opérations par le général-major Niembo Abdallah, qui est sur terrain, les forces armées viennent de conquérir cette localité. Pour le moment, nous appelons la population à regagner leurs milliers. Dans l'entretemps, les forces armées continuent avec les opérations sur terrain. Et nous sollicitons à la population encore une fois de collaborer avec les forces armées, de dénoncer tous les cas suspects. Comme ça a été annoncé par le gouverneur, le mandat d'arrêt ont été lancé contre les auteurs et les co-auteurs de massacres, des tueries dans les territoires de Djougou. Pour le moment, nous sommes à la recherche de celui-là on appelle Tsura, on va l'arrêter et il sera déféré à la justice. Si on l'arrête pas vivant, on va retrouver son corps sur le champ de bataille. Donc voilà la lue où nous sommes. Nous appelons la population tout entière à rester calme et à faire confiance aux forces armées. Entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Du côté ougandais, les terroristes ADF viennent de semer la mort dans une école à KCC. 42 personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi. Les victimes sont essentiellement des écoliers. Le général-major ougandais Rathur Dick Olum, en charge de l'opération Shuja en République démocratique du Congo, est descendu sur le lieu. Il parle d'un crime odieux des ADF aidés par les complices sur place. Des recherches sont organisées pour les retrouver. L'aide du gouvernement est en route. Extrait choisi par John Zati, on va écouter. Uyo kijana iko mumu. Alipoonyesha shule yeye akaenda. Akajua wasichana wanalala wapi, wana wa vijana wanalala wapi. Ndio kuhakikisha wanakuja wanafunga mlango ya vijana. Watoto wa vijana walijaribu sana kupigana. Le complice, il est ici parmi vous. Il a aidé et guidé ces terroristes ADF à aller dans cette école et mettre le feu. Je vous invite à la vigilance. La République démocratique du Congo et l'Ouganda ont un projet commun de moderniser la route qui va de Kasindi à Beni. Ili nyinyi mfanye nini? Biashara. Tunaelewana? Kama kuna mtu ambao hamuelewi, ameonekana, huyo mtu ashikwe. Na naomba sana tafuteni wa vijana gani ambao walielekeza ADF kuja hapa. Walitoka kule Kasindi Port. Voilà qui va faciliter vos affaires. Si il y a quelqu'un de suspect, il faut le dénoncer. Nous sommes déjà à la recherche de celui qui a guidé et aidé ces ADF à commettre ce crime. Nous l'aurons. Nous sommes bien informés qu'ils étaient venus la veille, ont passé deux nuits quelque part avant de commettre leur forfait. Ce sont les véhicules qu'ils visaient d'abord pour brûler et ont constaté que nos éléments étaient là. Ils se sont rabattus sur l'école pour commettre ce forfait ignoble. Muda yangu yote niko Congo. Lakini kuona kwamba hiki tumekuja tena mefanyika kwangu nyumbani,
ni kitu ya aibu sana. Lakini bila aibu je passe tout mon temps en République démocratique du Congo, où je suis sur le terrain des opérations. Qu'un malheur pareil survienne dans notre pays, j'en suis vraiment écœuré. Je vous invite à la vigilance. Nous avons lancé des avions pour les repérer. Et bientôt, là, nous allons procéder tout d'abord à la récupération de ceux qui ont été enlevés. À Kinshasa, la faculté des sciences sociales a organisé ensemble avec la faculté de droit et des lettres ainsi que des sciences humaines une conférence internationale sur l'ouvrage Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice. Ouvrage écrit par Charles Onana, un auteur franco-camerounais tenu dans la salle Monikoso de l'université de Kinshasa. Il était question au cours de cette matinée scientifique de discuter sur l'invasion masquée du Congo par le Rwanda. Plusieurs pistes de solutions ont été proposées pour sortir de cette crise. Patricia Vosa et John Zati. Le monde scientifique braqué sur la République démocratique du Congo. Une matinée scientifique de haute portée se tient à l'université de Kinshasa. L'ouvrage « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale », livre de l'auteur franco-camerounais Charles Onana, est décrypté des orateurs de renom, parmi lesquels les professeurs Freddy Moulumba, Julien Tazi et Julien Paluku-Ka Wungia, pour ne citer que cela. Tous éclairent largement sur l'invasion masquée du Congo par le Rwanda, bien démontrée par Charles Onana. Les voies de sortie de cette crise dans la partie est de la République démocratique du Congo sont également présentées. Parmi ces voies, la restructuration de l'armée, de la justice et du social, mais aussi la décolonisation des connaissances. Cette conférence internationale à l'université de Kinshasa se tient sous le patronage du recteur. Il n'était pas normal que nous laissions à Charles Onana, dont nous félicitons tout à fait la perspicacité et l'engagement, nous ne devions pas le laisser le seul défenseur tribun de la nation congolaise. Voilà pourquoi l'université, dans ses missions, s'est approprié cet ouvrage de renommée mondiale qui désigne vraiment par le doigt et le bon doigt qui est réellement l'auteur de ces malheurs à l'est de la République. Le professeur Freddy Moulumba, qui a consacré son âme à la lutte pour une République démocratique du Congo véritablement libre et indépendante, compte parmi les intervenants. Le débat a eu lieu à l'UNIKIN. C'est là où on peut dire un peu, là où se trouve le savoir. Comme ce débat est maintenant récupéré par les intellectuels, par les étudiants, j'espère que cet holocauste au Congo sera quand même sanctionné par un tribunal international qui doit juger tous ces gens qui ont tué le Congolais. C'est anormal aujourd'hui que beaucoup de politiciens ne veulent pas parler de ces morts parce que beaucoup ont des liens avec les Rwandais. Le professeur Freddy Moulumba a au cours de cette matinée remis 20 livres « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale » de Charles Onana au doyen de la faculté de sciences sociales. Le recteur de l'université de Kinshasa s'en est procuré pour la bibliothèque, au grand plaisir des étudiants. Après les partis et regroupements politiques, c'est la société civile qui a été conviée ce samedi par la CENI à un cadre de concertation électorale. L'objectif reste de changer avec ces acteurs pour clarifier les règles de procédure électorale pour le candidat aux prochaines élections. Le président de la CENI, Denis Kadima, a rappelé à ses leaders de la société civile leur rôle qui est celui d'observer le processus en cours. Reportage Josué Ngoy et Papi Domingo. Différencier la surveillance de l'observation des élections, c'est ce qu'a demandé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, aux leaders de la société civile.
C'était au cours d'un cadre de concertation, un moment d'échange et de partage auquel ont pris part les membres du bureau de l'Assemblée plénière de la CENI ainsi que les représentants des organisations partenaires, notamment AIFES. Eddy Kissilé, directeur juridique, a exposé sur les conditions d'éligibilité et la constitution des dossiers des candidats, le seuil de recevabilité au prorata de 60% des listes de compétition, mais également de la dimension genre que prône l'article 13 de la loi électorale révisée. Joseph Senda Lusamba, directeur des opérations électorales, a lui centré son exposé sur la procédure de réception et traitement des candidatures. Ce dernier a présenté aux membres de la société civile le fonctionnement, la composition et le rôle de chaque membre des bureaux de réception et traitement des candidatures. Prenant la parole, Denis Kadima s'est exprimé en ces termes. Je peux vous garantir que nous allons protéger votre voix. Nous allons protéger le vote de vote. Il n'y aura pas de gens qui viendront nous voir en police et se faire élire. Ça ne se fera pas. Rappelons que le président de la CENI s'est entretenu la veille avec la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC à l'issue d'une mission de 5 jours ayant permis à cette commission de rencontrer diverses parties prenantes au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Également dans l'actualité de ce samedi 17 juin, l'ancien Premier ministre et opposant Augustin Matata Ponyo a été interdit de quitter la ville-province de Kinshasa. Le candidat à la présidentielle prochaine de décembre 2023 était pourtant à l'aéroport international de Ndjili, d'où il devait s'envoler pour Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Augustin Matata Ponyo, interdit de voyager par les services de la Direction générale de migration, a révélé les concernés via son compte Twitter. Le rideau est tombé vendredi 16 juin à Lubumbashi sur la 16e édition de la DRC Mining Week. Comme à l'ouverture, la cérémonie de clôture a été présidée par le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, en présence notamment du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, nous dit Didier Mumba. Merci tous nos sponsors, tous ceux qui ont... Les lampions des travaux de la 18e édition du forum de la RDC Mining Week se sont éteints ce vendredi 16 juin 2023 au chapiteau du Pullman Grand Caravia Hotel de Lubumbashi. Les participants ont retenu plusieurs résolutions sur l'exploitation minière responsable en RDC, comme par exemple l'appui des miniers à la production agricole et à la transition énergétique. Comme dans son mot de bienvenue le premier jour, Jacques Ablakatwe a de nouveau rappelé que le Haut-Katanga est aussi une terre agricole. Je voudrais rappeler une fois de plus que le Haut-Katanga est aussi une terre agricole. L'agriculture, pourtant liée à l'industrie minière et à tout autre par sa capacité à servir les besoins de base des travailleurs, reste peu développée et ne reçoit pas encore assez d'attention de la part des miniers. Nous encourageons vivement les investissements dans ces secteurs et nous sommes disposés à apporter notre soutien à ceux qui s'y lancent. Pour sa part, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a déclaré que les recommandations issues de ces forums vont contribuer au développement du secteur minier et booster les autres secteurs de l'économie nationale. C'est dans ce contexte que pour rencontrer la vision du chef de l'État, le gouvernement de la République, au travers des ministères sectoriels, s'emploie sans relâche à concilier les intérêts des populations avec ceux de nos partenaires et investisseurs. Bien avant cette clôture, le gouverneur de province, Jacques Ablakatwe, avait visité les différents pavillons et expositions des participants à cette édition de la DRC Mining Week. Une façon pour Jacques Ablakatwe d'encourager ceux qui opèrent déjà dans sa province et qui contribuent à son développement et ainsi inciter d'autres à venir s'y installer, alors que le baromètre national du climat des affaires place le Haut-Katanga en tête de toutes les provinces du Congo démocratique. Le chef de l'exécutif provincial leur a consacré tout son après-midi. On va rester dans la province du Haut-Katanga pour vous dire que désormais, cette province va produire elle-même les big bags pour les produits miniers et emballages du ciment.
au cours de l'annonce du lancement de cette production dont se chargera la société Bax & Sac grâce au financement du gouvernement via le FPI. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Kaungia, a salué la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation qui stoppe les coûteuses importations. Bed Kambale. Désormais, les big bags pour les produits miniers et des emballages du ciment sont reproduits à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, par la société Bags & Sacks, et ce grâce au financement du gouvernement par l'entremise du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Kaungia, appelle les miniers et les cimenteries de l'espace Haut-Katanga d'acheter ces big bags et emballages une fois la production sera lancée, car Bags & Sacks vient stopper les importations en créant des emplois au pays, a-t-il ajouté. Nous avons renforcé la capacité de l'entreprise ici en RDC pour qu'il soit à même de produire ces big bags de manière à permettre de ne plus importer ces sacs de l'extérieur, mais désormais de se procurer de ces sacs au Congo parce que ces entreprises donnent de l'emploi aux Congolaises et aux Congolais. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, s'est dit très heureux de voir autour des mines se développer d'autres industries. Comme le veut son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, tourner l'action publique vers le peuple, c'est aussi s'assurer que de tels investissements soient encouragés. Cette usine aura la capacité de produire des millions de big bags par an, a indiqué Hussein Lada, directeur général des Bags & Sacks, tout en saluant l'accompagnement du gouvernement. À cet effet, nous sollicitons le concours des autorités pour arrêter, conformément à la loi, les importations qui, jusqu'à ce jour, étaient l'unique source d'approvisionnement dans le secteur d'emballage pour les miniers. Le coût global de ce projet est de 25 millions de dollars américains, dont 13 475 000 sont en cours de décaissement au niveau du Fonds de promotion de l'industrie, a fait entendre Vicky Katumwa, présidente du conseil d'administration du FPI. Cette société produit déjà 40 millions d'emballages de ciment et des produits agricoles à Songololo, dans le Congo central. Toujours dans le Haut-Katanga, du mercredi 14 au jeudi 15 juin dernier, les parties prenantes aux travaux de construction de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania et Porsec de Sakania ont procédé à la réception provisoire de ces deux des trois composantes du projet réalisé par la firme CCEC sous financement du concessionnaire GIU. Regardez. Avec cette réalisation dans la province du Haut-Katanga, la République démocratique du Congo vient de se doter d'une infrastructure transfrontalière des plus modernes. 150 km de route bitumée en une fois deux voies qui va de Kasumbalesa village à Lukangaba à la frontière avec la Zambie et qui passe à quatre voies dans les traversées de Mokambo et Kasumbalesa village. Autre composante du projet, un immense port sec d'une capacité de 8000 camions remorques, le tout réalisé sous le contrôle et la surveillance d'une mission de l'Agence congolaise des grands travaux. Pour cette réception provisoire, toutes les parties prenantes au projet se sont retrouvées sur place, à savoir le ministère national des infrastructures et travaux publics, l'office des routes, la division provinciale des travaux publics du Haut-Katanga, l'Agence congolaise des grands travaux, la province, ainsi que l'entreprise CCECC qui a construit le tout sous un financement du concessionnaire GIU. L'équipe a parcouru durant les deux jours l'ensemble de la route, la scrutant minutieusement à la recherche des éventuelles malfaçons afin de faire des propositions d'amélioration. Il a été noté quelques besoins d'amélioration, notamment dans la disposition des panneaux de signalisation et un besoin de renforcer les accotements de la route dans les zones à forte pente. Au port sec, l'équipe s'est divisée en quatre groupes afin d'investir idéalement cette immense zone construite. Moderne, ce port sec a au centre la zone administrative, les hébergements et les banques. Sur les deux côtés se trouve d'une part la zone import et de l'autre la zone export. Le tout bien connecté par 8 km de voirie, bien revêtue. Toute cette surface est constamment sous la surveillance de plus de 200 caméras qui alimentent une salle de contrôle. Les équipes de réception ont relevé quelques besoins d'amélioration, notamment en ce qui concerne l'évacuation des odeurs des sanitaires en ajoutant des extracteurs d'air.
Il a également noté le besoin d'appliquer de la peinture à huile sur les murs intérieurs afin de les rendre nettoyables. Au dernier jour de ce travail, les parties prenantes ont signé un procès-verbal attestant cette réception provisoire. C'était au siège provincial de la CGT au Grand Katanga. À noter que lors du parcours du projet au premier jour, le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzaou, était de la partie. Avec l'administrateur du territoire de Sakania à son office, il a évoqué la mise en œuvre prochaine du volet social du projet. Il est notamment prévu une école, des forages de puits d'eau, l'aménagement d'un terrain de football et l'aménagement d'un terrain de basketball. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a clôturé ce samedi les travaux de l'atelier organisé à Kinshasa du 13 au 17 juin courant. Un atelier qui réunissait toutes les parties prenantes au programme gouvernemental Esprit de VCV. À l'issue de l'atelier de 3 jours sur l'évaluation du programme gouvernemental des bus Esprit de Vie pour le renforcement de sa gouvernance et son extension en province, le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekilali Kombo, en a clôturé les travaux ce samedi 17 juin dans la salle polyvalente José Panda au Centre de Recherche en Sciences Humaines. C'était en présence du secrétaire général au transport, des experts et de 2 associations partenaires, APEFCO et le groupe Tambola. Le bilan de 9 premières années est calamiteux et décevant, mais Maître Marc Ekila en sort satisfait et même très satisfait des résolutions prises par les experts dans la perspective de redynamiser ce programme gouvernemental. Un nouveau cadre permanent a été institué. Objectif, renouveler le charroi automobile conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déployer le programme Esprit de Vie en province ou encore lui doter d'un siège social digne de ses nouvelles ambitions. Je suis très satisfait parce que ma vision est claire, nous devons respecter seulement le contrat. Et le contrat a des règles qui le régissent. Et le cas de gestion d'Esprit de Vie pour moi c'était la catastrophe nationale. C'était impensable, inimaginable de donner des crédits aux acquéreurs, mais il n'y a aucun mécanisme d'encadrement, même pas une garantie. Nous avons un programme Esprit de Vie qui n'était pas en mesure de se reconstituer en lui-même un stock, pendant qu'il y avait les acquéreurs qui détenaient les créances sous ces programmes-là. Et avec les résolutions qui viennent d'être prises, et ça cadre vraiment avec la vision que j'ai sur la question, notamment de considérer que le programme Esprit de Vie peut permettre d'avoir une classe moyenne dans ces pays. Et aussi, je suis également satisfait parce que ce que je voulais, une des recommandations vient de le faire, c'est que nous allons déployer le programme Esprit de Vie en province dans la perspective de créer un peu une classe moyenne en province. Pendant 3 jours, les experts ont identifié chaque problème ayant ruiné ce projet gouvernemental et proposé des solutions adaptées. Le ministre a recommandé d'ouvrir le partenariat à d'autres associations sans frustrer les 2 premières, APEFCO et GT, en vue d'encourager la concurrence et l'autonomie financière de Esprit de Vie. Avec le nouveau cadre juridique où la coordination est au centre des décisions, le ministre essaye d'impulser une dynamique positive à l'Esprit de Vie 9 ans après son lancement. La députée nationale Jeannine Katasoire, élue de Béni, vient d'appuyer les travaux de construction du port GT, du pont GT sur la rivière Kimemi à Biassa. Nous sommes là en ville de Boutembo, au Nord Kivu. La suite dans ce reportage que nous propose Delphine Sindani. Ce geste posé par l'honorable Jeannine Katasoire a suscité la joie à la population. Devant la presse, l'honorable a dit pourquoi avoir posé ce geste en ville de Boutempo, pourtant élu du territoire de Béni. C'est un pont délabré qui a lâché depuis bientôt 3 ans et ce qui a coupé la ville de Boutempo du territoire de Béni. Comme vous pouvez voir là, ce sont les mamans qui sont en train de traverser dans la rivière. Imaginez-vous quand il pleut. Ce que ça représente ici comme danger. Si je suis venu aujourd'hui apporter ma pierre sur cet édifice
qui a commencé depuis longtemps, sur lequel tout le monde a apporté une pierre. Depuis notre face, c'est un pont qui a toujours eu des problèmes. J'appelle vraiment ici notre gouvernement à tourner son regard vers nous ici, à travers ce gouvernement de Warriors, que moi je voudrais appeler Winners. Les Winners, car ils vont vraiment apporter aussi leur pierre sur cet édifice qui a plus que besoin de la contribution de tout et chacun de nous. Pour la société civile Force Vive de la ville commerciale de Boutempo, le geste posé par l'honorable Jeannine Katasohiré est à encourager. Aux autres bonnes volontés de l'emboîter le pas. Nous avons émis une lettre auprès d'elle. Nous la remercions pour avoir répondu positivement à cette demande. Nous l'encourageons et nous appelons également les autres qui ont réussi le même note qu'elle de répondre positivement comme elle vient de le faire. Précisons que ce début métallique don de l'honorable Jeannine Katasohiré vont permettre à l'équipe d'avancer rapidement avec les travaux et que dans un futur proche, la paisible population traverse sans difficulté, a fait savoir le chef de quartier Moukalangiroua, Julien Kitouli, sous les applaudissements de la population. Quittant le Nord Kivu pour le Sud Kivu voisin, le gouverneur Théo Ngwabudje Kassi a échangé avec une délégation des Basilé venue du territoire de Mwenga, conduite par Sa Majesté Mwami Kalinga Riziki. Cette communauté est allée solliciter auprès du gouverneur son implication pour le rapatriement des reliques de celui qu'il considère comme un héros. La suite dans ce reportage. C'était une forte délégation des Basilé, conduite par le chef de la chefferie qui porte le même nom, Sa Majesté le Mwami Kalinga Rikizi Luango, reçue par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabudje Kassi, en sa résidence officielle. Accompagné par les gardiens des coutumes, les chefs des groupements et villages, les membres de la famille régnante, les confessions religieuses et certains notables vivant à Mwinga et ceux de Bukavu, la délégation des Basilé est venu solliciter auprès de l'autorité provinciale son implication personnelle pour les rapatriements de reliques de celui que les Basilé considèrent comme un héros pour sa résistance contre l'oppression et l'injustice de l'administration coloniale. Grande est notre joie d'avoir cette assurance auprès de son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Sud-Kivu. Les Basilé vont devoir être toujours à côté de son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Sud-Kivu, par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour le développement de cette province. Sa Majesté Kalinga Kishinga Kitoka, décédé pendant sa réélégation à Katakokombi, dont la province du Sankuru, il y a plus ou moins 90 ans. Respectueux des us et coutumes, le gouverneur des provinces, Théo Ngwabudje Kassi, les a rassurés de son implication pour que les reliques de ses grands chefs coutumiers retournent dans son Mwinga natal. En coutumier averti, le numéro 1 du Sud Kivu a promis qu'il va s'impliquer pour une issue positive à la demande des Basilé, non seulement pour honorer toute la chefferie, mais également pour observance des us et coutumes, comme le veut la Constitution de la République démocratique du Congo. Des cadeaux traditionnels ont été remis au gouverneur Théo Ngwabudje, conformément à la coutume légale. On en vient à présent à cette déclaration de la communauté islamique de la République démocratique du Congo qui sollicite l'implication urgente des autorités congolaises suite à la difficulté qu'elle a à se déplacer vers leur terre sainte. Selon elle, les fausses informations selon lesquelles la RDC serait en proie à la maladie d'Ebola rendent difficile l'obtention du visa. Ils sont au micro de Josué Ngoy. La communauté islamique en République démocratique du Congo sollicite l'intervention urgente du chef de l'État, du ministère des Affaires étrangères et du ministre de la Santé, du fait qu'il y a un couac qui nous empêche de faire voyager les musulmans de la République démocratique du Congo pour aller observer le cinquième pilier
de notre religion qui est le jeûne du mois de Ramadan. Toutes les démarches y afférentes ont arrivé au bon point, mais il y a une information malveillante qui circule, soi-disant la maladie d'Ebola continue à ravager notre pays. Alors que l'OMS a déjà publié dans son rapport que Ebola n'existe plus en République démocratique du Congo. C'est un peu dans ce cadre-là que nous appelons au chef de l'État et au ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Santé de pouvoir intervenir urgemment pour que les éclaircissements puissent être donnés en rapport avec cette situation et permettre aux musulmans de la République démocratique du Congo d'aller observer les cinquièmes piliers de notre religion. Et il y a aussi un intérêt spirituel y afférent. Et en dehors de nos frontières, la médiation africaine composée du président Cyril Ramaphosa, Macky Sall, Aïkadé Tchilema ainsi que Azali Assoumani qui dirige l'Union africaine entame ce samedi l'étape de la Russie. C'est là dans les buts de trouver une issue au conflit entre l'Ukraine et la Russie et ramener ainsi la paix. Blanchard Bayembe. Après avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les quatre dirigeants africains, Cyril Ramaphosa, Macky Sall, Aïkadé Tchilema ainsi qu'Azali Assoumani, qui dirige actuellement l'Union africaine, et les représentants congolais, ougandais et égyptiens sont arrivés à la mi-journée en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. La Russie accueille cette délégation avec bienveillance vu que le système international néocolonial a cessé d'exister. Le Vladimir Poutine qui l'a confirmé encore le vendredi 16 juin 2023. La rhétorique est d'autant plus brandie en Russie qui souhaite attirer dans son camp les dirigeants africains, surtout que Moscou va organiser dans les tout prochains jours un sommet russe-afrique à Saint-Pétersbourg. Il faut noter que lors de son passage à Kiev, la médiation africaine n'a pas obtenu des avancées significatives pour la paix en Ukraine. Les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky salue tout de même la démarche des présidents africains, mais il a refusé un cessez-le-feu ou des pourparlers. Fin de cette session d'information. Retrouvez ce journal sur notre chaîne YouTube, mais également l'actualité reste en continu sur Digital Congo FM et sur notre site internet digitalcongo.cd. Lokola mo mesano. Oyo ndezo mela ma mikolo. Te, na ozo na ngam. Mama! Mama! Bona nini voye kosombe palanga. Yoka. Masanga nyoso ya malamu. Oyo etiami na milangi. E koma kotia ma elembo. Oh. Ah, elembo o ezali kolatisa ete bisika ezali kosalema eyebani na mbula matari. Pe bisika yango. Et pour ta campagne, on va mettre. Ah bon? Nous sommes en train de battre les misères de la misère de la misère Congo démocratique. Pour combattre la baïmbo, la bokono ya ndenge na ndenge. Et singeli to telemela bizaleli mabe, ou ya bokoti sinan kuku, biloko biebi futim pako ya mbula matari te. To sale la banso, ou babengi marquage sécurisé. Bolandeli tope traçabilité na ikenge kufungola misoga na kosombaka kaka biloko miemi futim pako.